Salut! Bienvenue pour le cassage de cette dalle en béton de ciment. Parce que je sais pas qui c'est qui fait ça, mais qui fait ça? De mettre des dalles en béton de ciment, c'est... En plus, c'est vraiment incompatible avec la pierre. Donc, le moment idéal pour faire ça, c'est quand il pleut dehors. Parce que c'est pas mystique, hein, c'est juste comme ça, on n'a pas besoin d'aller bosser dehors. Et aussi, quand on se met martel en tête. Alors, quand je pense aux bienveillants, aux incompétents et aux charlatans, bah, je casse du ciment. Et on n'oublie pas de mettre ces petites lunettes de protection. Parce que le ciment, ça vole où ça veut. Et c'est souvent dans la gueule. Allez. Eh ben, ça soulage. Et c'est pas une méthode très efficiente. Je vais utiliser le perforateur. Alors ici, on peut voir que c'est plutôt facile à casser, parce que c'est peu épais. Et là, par contre, c'est beaucoup plus épais. Et en plus, c'est renforcé avec de la ferraille. Donc du béton de ciment armé. Alors la raison pourquoi je casse autant de choses que je démolis, les mysticiens me l'ont expliqué, c'est parce que je suis scorpion ascendant serpent. À force de patience, ça finit par casser. Bon, faut pas confondre vitesse et précipitation, mais si vraiment c'est une dalle beaucoup plus grande, faut louer un marteau piqueur, parce que c'est juste pas possible sinon. Alors on peut voir qu'il y a la chape, ensuite un gros morceau de béton difficile à passer. Là où il y a le grillage en ferraille, c'est pareil, c'est impossible, il faut essayer de passer entre les mailles. Et enfin, tout en bas, il y a des espèces de parpaings qui soutiennent le tout, avec des rails. Un visage de pierre. Alors ici, je me demande si c'est pas la VMC d'époque qui était faite en 1914, parce qu'on voit un tube en brique. Ou alors ça a été fait à l'après-guerre de 1945 pour les baby-boomers. Et dans ces cas-là, c'est le vide ordure. Sinon, je me demande aussi qu'est-ce que c'est que cette rondelle dans le mur, à l'étage. Voici ce que ça donne à l'intérieur. Il y a la même chose sur la maison presque en ruine à côté. Je propose de prendre le goûter parce que quand même faut pas déconner. Alors des cassis. Pas très mûr quand même. Ou des myrtilles. Et du saucisson. Ça y est, il gauge. Alone in the dark. Mm-hmm.
Fin de journée, ça se passe vite quand on s'amuse. C'est l'heure d'aller se faire une bonne petite pizza. Bon là j'ai fait qu'un tiers, mais bon ça va aller plus vite pour la prochaine fois. Vu que ça a bien commencé. Allez, salut et on n'oublie pas... Ont besoin d'être caressés avec une petite histoire.